Shion, would you laugh at me if I told you that I think she has a heart? Cosmos? Showing emotional behavior? I've run across some interesting phenomena. It's still pretty weak, of course. Almost like a tiny little pulse. Really? We should definitely keep an eye on that. Cosmos' elemental data structure duplicates that of the human brain. So something like that's certainly not out of the question. Ça, pour rappel, c'est Kevin Winnicott. Hein. C'est le créateur de Cosmos, non? Ouais, c'est ça. Et, si, hein, c'est ça. Et le copain de Sean. Ouais. Enfin, qui est mort. Hein. Je me souviens. Ouais. Flatline. Oh well, nothing here at all. Ouais, elle vérifie s'il y a bien des émotions. Les signes d'émotion sur Cosmos dans ces données. Come on, Shion. Why don't you come and play with us? Allez, amuse-toi. In a bit. Are you working on Cosmos? It must be really tough. Ah, Cosmos. She's got a lot of black box areas that even we can't analyze. Black box? Yeah. We're painstakingly analyzing her bit by bit so that we can recreate her original form again. The only person who knew everything about Cosmos was Kevin. Say, Alan, do you think Guinan and Junior are father and son? They look a little too far apart in age to be brothers. I've heard rumors here and there. Some say Guinan cloned himself, while others say Junior's his illegitimate son, or... I don't think he's a clone. Their genome arrays are a little too different for that. Wow! You can actually see that, Momo? I'm an observational Realian. They're more than just siblings, or father and son. But at the same time, they're not identical either. Is that sort of thing possible? Their DNA only has to differ by 0.1% to make them different people, right? Hey, who's an illegitimate son? Man, this beach is really great. It doesn't feel artificial at all. It's our latest product. You can even change the weather. You can't have blue skies all the time, right? Alors ça, c'est super important. Le truc du tonnerre. D'où vient ce traumatisme? Ouais. Well, hello, Negredo. How are things going? Il l'appelait Negredo. Hein. C'est son vrai nom. I'm still not accustomed to calling you Guinan. So, how can I help you? We're currently headed your way, and we're carrying an unusual package. So I thought it best to inform you. Oh? We secured it from an unexpected source. The Federation cruiser Woglinde. It's an emulator. The 12th one. That matches the UTIC records. Right. There's no question that it's responsible for the planetary disappearance. Assuming they haven't constructed any more, that's all of them. Aside from the original, of course. That's clearly impossible. Now that the only man who can create them is no longer alive. True enough. And one more thing.
We have the Contact Subcommittee's 100 series prototype. How did that wind up in your hands? One of our passenger freighters rescued her 76 hours ago. Is the ability to attract that sort of coincidence another one of your special powers? Not a coincidence, but a probability, as a certain acquaintance might say. Anyway, I'm concerned with what the UTIC organization is up to. You may want to step up your precautions. I'll see what I can sniff out from the UMN Administration Bureau. We can locate any large-scale gate jumps from there. Excellent idea. Assuming they have no emulators in their possession. The odds are that they'll go after the original sealed on old Milsha. Not to mention... Udu. I don't know what their ultimate goal is. But we can't allow that thing to reawaken again, no matter what. Understood. We'll prepare for your arrival. I'm looking forward to seeing you again. Alors là, t'as pas du tout compris de quoi il parlait. Ah non, effectivement, beaucoup d'éléments un peu flous. C'est normal. Mais en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que là, il parlait avec Elmer, qui est le représentant de la seconde Milsha. Donc c'est là où on doit aller. Représentant, parce qu'en fait, les planètes, c'est pas un gouvernement par planète. Hein, c'est, je te rappelle, la Fédération Galactique. Donc qui est un peu le gouvernement de toutes les planètes, quoi. Et chaque planète a un représentant qui... C'est un espèce de parlement. Et chaque planète est représentée par une personne, en fait. D'accord. Et lui, c'est celui qui représente Seconde Milsha, du coup. Mais que je m'embrouille pas. La Milsha d'origine, la première, c'est pas elle qui avait disparu ? Elle a pas disparu, elle est... on va dire, elle est dévastée. Ok. Mais ouais, en fait, le Zoar originel, il était sur la Milsha, la première Milsha. Et il y a eu une expérience, du coup, de Joachim Israï, avec le Zoar dessus. Et en gros, on verra les détails plus tard, mais ça a détruit la planète, quoi. Ok. Alors ça, c'est encore la suite de... Ah, la petite sœur. Voilà, il y a la sœur du hacker... Bon, je passe parce que c'est pas très intéressant. Ouais, j'étais en train de lire en même temps. Mais pour revenir sur ce qu'on disait, donc les émulateurs, c'est bien Mizrahi qui les a créés. Oui. Ok. En fait, tout ce qui a rapport avec le Zoar, c'est plus ou moins Mizrahi qui a fait toutes les expériences dessus. Mais il est trop fort, ce type. C'est pas lui qui l'a créé. Hein. C'est... Il était pas né, toi, ça. Non, lui, il n'a fait que travailler dessus. Ouais, c'est ça, il a travaillé dessus, bon... Pour rappel, ça a été découvert il y a très longtemps, au tout début du jeu. Ça, je me souviens, ouais. Donc, dans une époque proche de la nôtre. Et c'est donc Vector qui l'a récupéré, et c'est Mizrahi qui travaillait dessus. Mizrahi qui appartenait à UTIC. Ok. Ils en parlent un peu, là, dans la conversation, c'est pour ça que ça peut paraître flou. Là, en fait, la quête, c'est juste hein, pour... elle nous dit qu'en gros, elle veut utiliser des nanomachines pour tout détruire, machin. Et elle nous fait des espèces d'énigmes, en fait, si tu veux. Ah... Et l'énigme, c'est ça. En fait, il y a trois propositions et faut deviner quel est l'endroit, tu vois. Ok. Qui dit qu'il y a un pont, une fontaine, un casino, des bugs environnementaux, machin. Et il faut dire si c'est soit le vaisseau d'Utik, soit le Durandal, soit Pléroma, tu vois. Et la bonne réponse, c'est Durandal ? Ouais. Oh, je suis content. UTIC Battleship, bah ça c'est juste un vaisseau en gros de guerre de UTIC. Durandal c'est là où on est, donc on l'a vu, il y a le casino, etc. Et Pléroma c'est l'astéroïde sur lequel on est allé chercher Momo. Donc on met Durandal. Et puis on verra la suite plus tard.
Ça m'a fait rigoler la petite séquence. Ça faisait vraiment dans les animés l'épisode à la plage. Oui, avec tous les personnages en maillot qui s'amusent, mais il y en a qui s'amusent pas. Allez, viens jouer avec nous. Ouais, un peu, ouais. Bon, les persos sont quand même un peu plus profonds que... Non, bien sûr, mais c'est juste le contexte. Oui, c'est marrant, ouais. D'ailleurs, ça fait bizarre de les voir là. En plus, c'est une plage artificielle au milieu de l'espace. Donc, toi, tu vois l'espace en fond. Donc ça, et lui, il a sa télécommande, il change le temps comme il veut. Ouais, c'est ça l'argent. Ah, ça. Ah, tu vois, là, il dit, alors, j'étais parti faire une maintenance. J'étais venu voir si vous allez bien. Et tu vois, Junior, il dit, ouais, tu voulais t'amuser avec nous, en vrai. Bah, bien sûr. Il change de sujet. Moi, Ziggy, c'est mon perso préféré. Mmh. Il a l'air calme et froid, mais en fait, il est super cool. Ça va un peu devenir la figure paternelle de Momo. Parce qu'il a, tu sais, on a vu un peu quelques scènes de son passé où on voit qu'il avait un fils. Et du coup, là, on se retrouve donc sur la fondation Kukai, enfin une partie, parce que tu vois, là, il y a le Durandal à droite, au milieu. Ouais. Et il y a plusieurs lieux, et là, c'est un petit peu, on va dire, des quêtes annexes. On va d'abord retourner sur le Durandal pour faire un petit truc rapide. On dirait une carte du monde de RPG. Bah, c'en est une. C'est plus ou moins un monde, hein, en soi. Enfin, c'est une mini planète artificielle. D'ailleurs, je me demandais, la fondation, le lieu, oui. C'est toujours au même endroit ou ça se déplace ? Ça se déplace, ouais. Ça peut se déplacer. Donc s'ils veulent aller quelque part, ils peuvent tout emporter avec, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pas une planète, c'est... Ouais, c'est un espèce de... d'immense planète vaisseau, quoi. Mais je crois bien que ça peut se déplacer. En tout cas, ça peut... Il y a des trucs qui peuvent bouger dessus, je sais pas si tu l'as vu, quand on arrive, ça fait... T'as dit, ça ressemble à un nénuphar. Ouais. Et on voit que ça peut un peu se fermer, tu vois. C'est... Bah ouais, c'est un... comme pour se protéger, quoi. Alors là, en fait, on va plus voir d'histoire pour l'instant. On va pas voir d'histoire tout court, d'ailleurs. Dans la vidéo. Mais on va faire des petites quêtes. On va commencer par parler à Matthew. Donc lui, tu te rappelles, hein, c'est le capitaine de l'Elsa. Parce que je te rappelle, l'Elsa est dans le Durandal. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le petit vaisseau qui s'est fait... pas manger, mais qui s'est fait secourir, qui s'est fait prendre par le plus gros vaisseau. Exact. Et en fait, lui, il peut nous ramener sur la colonie. Donc, la colonie où on avait fait une petite escale là à un moment, c'était avec Tcherenkov. Tu sais, quand il s'était fait agresser par des mecs qui n'aimaient pas les militaires là. Et on peut retourner ici. Tu vois, et là, il nous dit il y a une fille qui s'appelle Luti, elle refuse de lui parler, elle quitte pas le vase, machin. Et justement, c'est elle qu'on va voir. Donc, la colonie, elle est minuscule, hein, il y a juste trois bâtiments et. Ah, ça a pas l'air joyeux ici, c'est un peu gris. Non. Bah c'est justement pour ça qu'ils aiment pas les militaires, c'est qu'on sent qu'il y a eu un peu ça fait un peu tu vois quartier pauvre mal famé. Ouais. Moi quand tu m'as dit on part à la colonie, j'imaginais un truc plus joyeux comme quand j'étais petit. Hein. Oh, non pas du tout. C'est pas ce genre de colonie. Enfin colonie en fait c'est toutes des colonies hein, dans le jeu. Bien sûr. J'ai bien compris. Mais... Et en fait, elle, c'est Luti, et elle est muette. C'est pour ça qu'elle refusait de lui parler. Et on lui donne une graine qu'on avait récupérée dans le vaisseau cathédrale. Et il y a un vase devant elle. Ouais, elle va le mettre dedans, et en fait, on va revenir dans le jeu plus tard pour que la graine pousse. Voilà, c'est marrant. Et je crois qu'ils parlent d'elle, si on va... Je sais plus où c'est. L'incident d'Ariadne, c'était quoi? Voilà, ça c'est juste pour avoir un peu de lore. Ariadne, c'est une planète qui avait disparu. Et qui est en fait... le cathédrale ship, là. Bon, moi je dis ça en anglais, parce que désolé. Hein, c'est... le vaisseau cathédrale. Merci. Ah ouais. Non mais c'est parce que bon, à la base c'est en anglais le jeu.
Le vaisseau cathédrale, en fait, c'est une ancienne planète, ça. C'est la planète Aradne. C'est l'énorme gnosis sur lequel on est. Ah oui, 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 effectivement. On a trouvé la graine, justement. Et ben, c'était une planète avant, avant de devenir un gnosis. Donc ça veut dire que ses parents viennent de l'endroit où tu as trouvé la graine. Exactement. Aha. Et ça, c'est la rue dans laquelle Chankov s'était fait agresser. Oh ben, j'allais dire, c'est une bonne rue pour ça, parce que t'es un peu tout ouais, seul, t'es fermé. On dirait qu'elle est faite pour ça, même. C'est vrai, rien c'est derrière, bizarre. Rien c'est... On dirait qu'il y a un architecte qui l'a dit, moi, si j'étais level designer, je créerais la zone ouais, exprès pour ça. C'est la rue du harcèlement. N'allez jamais dans cette rue. Et on va parler également à un petit garçon qui servira plus tard. Il est là, normalement, là. Voilà. Tom. Il dit, il y avait une poupée fantôme rose dans le magasin, elle est plus là. Quelqu'un l'a peut-être jetée. Si vous parlez... Ouais, tu vois, elle dit ça. Si je vais vous la trouver, voulez-vous bien me la ramener, s'il vous plaît. Ok mm-hmm. Pareil, on dirait que c'est un simple dialogue. Eh ben non. Pas du tout. En fait, c'est l'avenir de la galaxie qui est en jeu. Non, non. C'est une quête annexe. Je doute. Et là, du coup, ouais, bon, ça c'est un peu marrant. Ah, ils ont du papier toilette. De canon à particules pour ADGWS au papier toilette. Ça, il faut, tout. Il faut. Faites vos stocks. Hein. Comme quoi, hein, même 7000 ans plus tard, le papier toilette. Ah, bah, il y a des choses qui changent pas. Hein. Et là, on peut acheter du coup des accessoires. Et des équipements pour les AGWS, mmh. Mais également carrément un AGWS. Ah ouais. Et ouais, à 50. Et c'est pour qui ça? C'est pour. Parce qu'ils peuvent pas tous les piloter, non? Non, pas tous, non. Que bah que ceux qui savent piloter en fait, c'est logique. Voilà. Il y a Chion, Junior, Chaos et hop, pilote, pardon. Et Momo du coup, parce que les autres ne peuvent pas, vu que Bazigi c'est pas un pilote d'AGWS. Momo oui, parce que c'est une réalien sympa ça aussi. D'ailleurs c'est elle qui pilotait quand il y avait, quand ils étaient avec Ziggy, je sais pas si tu te rappelles. Enfin, ils pilotaient ensemble plus ou moins le vaisseau. Chaos c'est un bon pilote, on le verra même dans le 2. En fait le début du jeu ça commence avec Chaos et le frère de Chion. Tu vois. Dans le passé. Et Junior, bah forcément, hein, puisque c'est un pilote. Encore une question. Ouais. J'essaye de m'imaginer un peu tous ces personnages et les différences entre eux. Les réaliens, ils ont besoin de manger. En fait, ça, je sais pas. Parce que je me dis, est-ce qu'ils ont toutes les... Non, je vais pas dire les faiblesses, mais... Tu sais, ces trucs dont les humains ont besoin pour fonctionner. En fait, tout dépend quel réalien, parce qu'en fait, il y a deux... Enfin, il y a les réaliens, on va dire... C'est comme toi et moi, on va dire des civils, quoi. Mais pourquoi tu leur dis que je suis un réalien? Il fallait pas qu'ils sachent. Non, mais... Oh, bref, t'as compris. Donc, ouais, il y a des réaliens, on va dire un peu... C'est des civils, un peu, tu vois. Et il y en a, c'est vraiment... Mm-hmm. Ils sont faits pour... c'est des militaires. Ou ils sont faits pour... Par exemple, Momo, elle, c'est une réalien de sérissant, ils disent. Donc ça, c'est les réaliens d'observation, comme ils les appellent. Qui servent notamment pour combattre les gnosis. Parce qu'ils ont l'effet Hilbert, là, dont ils parlent, qui permet de les mettre dans notre plan. Ouais. Ça, c'est bien. Ah, la phrase n'était pas traduite, celle-là. T'as vu, c'est marrant. Il y a des phrases pas traduites comme ça dans le jeu. Le jeu n'est pas 100% traduit. Ah, c'est déjà bien, c'est vu la quantité de texte. Non officiel, hein, et qui est quand même... Ils ont déjà fait beaucoup de boulot. Ouais. Enfin, il, puisque c'est une seule personne qui a fait la traduction. Ah, c'est une seule personne. Enfin, il y en a une qui a fait la traduction. Une qui a hacké le jeu pour l'intégrer, je suppose. Ouais. Noog qui a fait la traduction. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ça. Il a une chaîne YouTube... bon, ça sert à rien d'aller voir tout de suite si vous avez pas fait les autres jeux, mais en fait, entre le 2 et 3, il y a un an où il se passe quelque chose, mais c'est pas dans les jeux. Mais il y a une sorte de visual novel, quoi, si tu veux. Mm-hmm. Et Noog a montré toute la traduction justement de ça en vidéo sur YouTube. Si vous voulez voir. Ah bah, une fois le moment venu, faudra le rappeler, ce sera l'occasion de faire le lien. Une heure en tout, je pense.
Mais ça permet de voir ce qui s'est passé entre le 2 et le 3, donc ouais, faut le refaire après le 2, quoi. Donc on revient. Chaque chose en son temps. Ouais. Et maintenant, on va aller ici. Un magasin pour HVWS. Bon, tout ce qui est magasin, j'achète pas. Je montre juste ce que c'est et puis je le fais en vidéo, c'est plus simple. Ouais, ça va plus vite. Ça permet... Ouais, on perdra moins de temps. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il y a ça. C'est un espèce de mini-jeu. En fait, pour répondre à des questions. Alors, le nom du magasin... Oh, purée. Dans... Allez, je te laisse faire. C'est ça, ça. Le nom du magasin, c'est Talk To Me, le deuxième. Effectivement, c'est ça. J'ai retenu. Dans Final Fantasy XIII-2, il y a aussi un truc comme ça avec un quiz qu'ils appellent Remue Méninge. Et c'est horrible parce que t'as des questions sur le lore et les lieux détails. Oui. Mais c'est pas c'est des hyper chaud. Seul, hein. Dans FF8, il y a ça, je crois. Ah, mais j'ai pas encore fait le 8, mais... Ouais, dans le 8, il y a ça m'avait choqué. Il y a dans les certains Xenoblade aussi. Alors, parce que t'as des questions classiques, mais à la fin, t'avais un truc, c'était pile ou face, ou bien gauche ou droite. Et t'es là, mais c'est le hasard, en fait. Ouais, c'est abusé, ça. Alors ça, tu peux pas savoir, donc je vais le dire. Le nom du professeur excentrique de l'académie, on va le voir juste après. Attends, montre-moi les trois choix. Non, tu peux pas savoir. Je vais tenter. Non, non, mais au hasard, je vais tenter ma chance. Alors, il s'appelle... Il s'appelle Vanderkam. Pas du tout. Ah bon, ben j'ai tenté. C'est marrant, mais il s'appelle Professeur. Et je te jure, c'est pas une blague. Ah bon. C'est un peu la déception, mais... Tu vas voir après. On fait la quête juste après, là, c'est ici. Mais t'imagines que, si c'est son vrai nom de famille, quand il était petit, il s'appelait Professeur alors qu'il était élève. Non, mais tu verras, c'est... C'est con. C'est... Tu verras, c'est très... C'est une quête où il y a beaucoup d'humour. Ah bah je suis venu pour ça moi. Ah, là ça va vraiment loin. Mais ça c'est un autre endroit de la fondation où on va aller après. On aurait pas dû faire quiz maintenant, mais c'est parce que sinon ça évite les allers-retours, tu vois. Ah c'est vrai que là c'est chaud. De quel type est le deuxième vêtement à partir de la gauche qui est accroché sur le mur en l'air, c'est dans le pressing. Donc on le verra plus tard. Moi je dirais le t-shirt violet. Eh ben c'était ça. Ah. Faut que je sorte ma boule de cristal. Qui est tout excité en parlant de forage. Dwayne, Holder, Olga. Ah oui, il y en a encore un choix en plus. Allez, on va dire Holder. Ah, pas loin. C'était Olga. Ah. Et la dernière question, tu peux répondre. Le nom de la fille qui ne peut pas parler, qui se trouve à la clinique. Ah, c'est Lutti, j'ai même pas besoin des choix. Voilà, bien. Sinon, il y avait Bunny. Donc Bunny, c'est le nom du petit lapin dans le... Pour les mails. Ouais, pour les mails. King, attends, il est où lui? Lui, il existe. King, aussi. c'est le lutteur dans Tekken qui. Ah oui, avec la tête de tigre. Oui, mais surtout que Tekken, c'est Namco aussi, si je dis pas de bêtises, donc. Non, mais il y a vraiment un King en PNJ dans le jeu, je crois. Voilà, et tout ça pour carte PMC. Et qu'est-ce que c'est que cette carte? Et que c'est un accessoire pour les AGWS. Puisqu'on est, je rappelle, dans le quartier des AGWS. Logique. Je te explique juste comment ça marche, les AGWS. Et après, je montre dans les vidéos d'après comment je les ai équipés, parce que sinon c'est trop long. En fait, ils ont trois armes. Tu peux le voir d'ailleurs à droite. Une à chaque bras, une sur l'épaule. Et après, trois accessoires en gros. Et tu peux pour certaines armes aussi voir les munitions, c'est ça? Ouais, mais ça dépend si tu mets une arme à feu ou pas en fait. En fait là, et tu vois ce qui est... Au début je comprenais rien parce que quand tu fais ça par exemple, tu vois t'as le choix entre trois trucs. Et après quand tu fais ça t'as re le choix entre trois trucs. Mais en fait faut pas se tromper, là ça nous montre les trois. Et c'est pas que t'as neuf choix en tout hein. C'est que qu'on fasse ça là ou là, c'est la même chose en fait. Ok. C'est juste que là ça va commencer tu vois par l'épaule droite. Et là par le bras gauche. Voilà, parce qu'en fait tu vois c'est marqué là L, R. Je sais pas si tu vois, il y a une petite icône avec en jaune l'endroit où c'est. Ouais. Voilà. Donc oui, au début j'étais là, attends, j'ai déjà mis les trois trucs là, maintenant faut que je remette trois autres trucs là, je comprends rien, tu vois. Mais en fait c'est juste ça. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une arme, ouais bon là on a rien mais on va les acheter juste après. Mettez en fait une arme de chaque type différent sur les trois en fait. C'est-à-dire, par comme exemple, ça t'as l'embarras du choix.
Ouais, comme ça, quand tu... Parce qu'en fait, ce qui est très important dans le jeu, surtout le 1, c'est que c'est le type de dégâts. C'est pas les dégâts que ça fait. Faut viser les faiblesses. Ouais, donc on peut le faire aussi avec les... avec les EGWS. Là, il y a énormément de trucs à acheter, c'est là qu'on est content d'avoir de l'argent. Alors, ils ont tous des noms à coucher dehors avec des chiffres et des lettres. Consonne. Et alors, on voit en bas, en place, c'est Pierce. Ça, c'est Beam. Ah oui, le de dégâts, ouais. Ouais, Pierce, Beam. Alors, Line, machin, ça, c'est si c'est à distance, au corps à corps, etc. Donc, moi, je vous conseille de mettre, voilà, un Pierce, un Beam. Et après, l'épaule, en général, c'est du feu ou des trucs comme ça. Et les accessoires, il y a un peu de tout, là. Mais les plus importants... Alors, soit vous prenez tout ça, là, parce que c'est des... ça baisse les dégâts de certains types. C'est très fort. Et vous pouvez aussi mettre ça. Alors ça, c'est qu'à chaque fois qu'on se défend, on récupère 10% de nos PV sur la GWS. Ah, c'est bien. Sachant que les objets classiques ne soignent pas les GWS, c'est des objets spéciaux qui les soignent. Parce que c'est pas des... c'est des machines, quoi. Et 10% d'un AGWS, c'est énorme, hein, parce que ça a beaucoup de vie. C'est... ça a beaucoup plus de vie que les personnages. Il y a celui-là qui est aussi énormément fort. Ça enlève les altérations d'état quand on se défend. Donc, si vous mettez les deux, vous défendez, vous enlevez l'altération d'état, plus vous soignez de 10%. C'est beau. Très fort. Après, c'est des anti-altérations d'état, des choses comme ça. Donc voilà, ouais, je vous conseille de faire ça. Et là, on peut acheter des boosters, c'est pour le jeu de cartes. Ah, le fameux jeu de cartes. Voilà, c'est ça. Et aussi, un truc très important, c'est quand vous voyez là, quand je choisis, là, il y a marqué W Act. Ça, c'est très important. En fait, c'est que si on a beaucoup d'AP avec les HWS, on peut faire W Act, c'est-à-dire qu'il va faire une double attaque avec ses armes. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est un peu l'attaque spéciale des HWS, donc n'hésitez pas à en mettre. Et on est surtout venu pour la quête annexe qui est ici. Donc ouais, vous mettez, on va dire, une arme en pierce, une arme en slash, parce qu'en général tu prends une arme corps à corps, une arme à distance, et une arme qui fait, je sais pas, des dégâts sur tout le monde de feu ou quoi, enfin, trois trucs différents. Et là, comme ça, t'as l'embarras du choix par rapport aux ennemis. Voilà, c'est ça. Et là, c'est une quête en plusieurs fois. Tu vois, là, c'est chapitre 1. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite musique marrante derrière, parce que c'est assez marrant. Et justement, c'est le fameux professeur. Et alors, tu verras, tout est basé sur un peu une parodie des... Parce que toi, les Super Sentai, les trucs genre Bioman, machin, c'est tout basé là-dessus, en fait. D'accord. Et je te rappelle, tu sais, qu'on a des parties de robots, bah c'est pour ça. C'était ah oui, 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 voilà. Oui. Donc voilà, il s'appelle... On sait pas encore. Alors, cet endroit est comme figé dans le passé. Alors, il est tout excité, hein. Que se passe-t-il? Vous n'avez rien à faire, non, monsieur. À quoi sert cet endroit? Toi, c'est dommage qu'il n'y ait pas de musique, quoi. Ouais, c'est vrai que ce serait un peu plus marrant. C'est marrant. Ah oui, il y a effectivement des parties de robots. Ouais, et tu vois, tout est kitsch et cliché. Voilà, pour lui, c'est des jouets, la GWS. Alors, c'est marrant parce qu'il a raison en plus. Et le robot est vraiment invincible. Et tu peux vraiment l'aider à le construire? Ouais, mais ça fait juste une attaque, ça, il combat pas avec toi. Mais heureusement, hein, c'est déjà complètement... Ce serait trop facile sinon. C'est déjà trop facile. En fait, si t'as toutes les parties de robot, en gros, tu fais... C'est un peu une invocation de Final Fantasy, tu vois. Mais la meilleure, tu vois. C'est Bahamut, si tu veux. En gros, ça fait 9999 sur tout le monde, quoi. Ah ouais. Et dans le jeu, c'est gigantesque. Hein. Il y a... que quelques boss qui sont pas one shot.
Et alors pour l'histoire des musiques, je sais pas s'il y a des choses claires là-dessus, mais ma théorie, et je pense que c'est la bonne, c'est que problème de budget et de temps, parce qu'on le sait que le développement des trois jeux d'ailleurs, il y a eu un gros problème avec le budget et le temps, et ils n'ont pas tout fini quoi. Alors, souvent ce sont des éléments qui jouent, et parfois, pas forcément pour celui-là, mais en général, un autre élément qui peut jouer un petit peu, c'est la place disponible sur les disques ou sur les cartouches ou quoi. Parfois ça devient un peu plusieurs DVD, donc je pense pas que ce soit ça. Même si c'est vrai que là, la place... Parce qu'à mon avis, ils ont bien rempli quand même. Oui, avec les cinématiques, c'est ce qui prend le plus de place. Hein. Ouais. Et le doublage aussi. Mais je pense pas, parce que les musiques, ça prend très peu de place. Et si tu regardes dans les autres, il y a des musiques partout. Hein. Dans le 2 et le 3, il n'y a pas de problème. Mmh. C'est dommage, parce qu'il y a des bonnes musiques dans le jeu, mais... Alors, tu vois, par exemple, ça, c'est cliché, tu vois, c'est les boutons de toutes les couleurs qui servent à rien, qui n'ont aucun sens. On pourrait dire que c'est fait exprès. Enfin, c'est pas fait exprès, mais si, parce que vous verrez que dans Xenosaga, quasi tout a une explication, mais vraiment, hein, ils y ont tenu. C'est-à-dire que je suis sûr que si on cherche, enfin, c'est même certain, hein, j'ai déjà regardé, si on cherche, en fait, toi, les parties des AGWS, là, que ça voulait rien dire, ouais, c'est pas au hasard. Hein. Sûrement que c'est par rapport au modèle, la marque... Il y a tout le truc par qui ça a été développé et tout, hein. C'est pas une blague. Hein. Le mec qui a fait le jeu, il s'est dit, moi je veux que tout ait une explication, tu vois. C'est ça, il veut créer un univers. C'est une peau de banane, aussi, il veut savoir pourquoi il y a cette peau de banane, tu vois. Et qui a mangé la banane? Non mais vraiment, hein, c'est un fou. Tu vois, dans Mass Effect, tu as aussi plein de types d'armes différentes, mais il y a aussi des marques, il y a aussi des styles selon les constructeurs, des types de munitions, des types d'armes et tout. Ouais. C'est pas juste pour décorer, il y a vraiment de logique. On peut comparer Mass Effect à Xenosaga un peu, puisque c'est les deux sont futuristes, il y a plein de planètes, machin. Bon, c'est sûr que c'est plus développé, on va dire. On va dire que l'univers est plus développé dans Mass Effect, parce que bah, déjà, c'est un RPG occidental avec beaucoup plus de dialogues, de PNJ, etc. Mm-hmm. Par contre, l'histoire, tu verras, elle est vraiment surdéveloppée dans Xenosaga, et malheureusement, il a même pas pu mettre la moitié. Parce que pour rappel, il devait avoir 6 épisodes, sachant que là, le 1 et le 2, c'est en deux jeux, mais ça devait être le même, hein. Il y a plusieurs lieux où on va retourner dans le 2 qui sont les mêmes que dans le 1. Et ça se voit que c'est... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a sur DS un jeu, c'est Xenosaga 1 et 2. C'est le même jeu, c'est un seul jeu. Il y a quelques différences. Ils ont fait un espèce de... J'allais dire de D-Make, mais question de point de vue, mais en tout cas une version un peu différente sur DS qui reprend les deux jeux. Elle est différente. Enfin, l'histoire globale est la même. Par contre, bon, bien sûr, visuellement, rien à voir, c'est en 2D et tout. Hein. Mais il y a des choses, par exemple, qui apparaissent avant sur DS ou après, tu vois. Ah, ok, ils ont un peu remanié. Par exemple, là, il y a un perso qu'on voit que à partir du 2, alors que sur PlayStation, tu vois, ils en parlent, mais on connaît ni son nom, ni son visage. Alors que on le voit, il y a les mêmes scènes, mais il y a des choses en plus des fois dans certains épisodes, quoi. Ok. En gros, tu vois Yutik avec Margulis. Ouais. À un moment, il fait référence à son chef, quoi. Et ben, dans cette scène, dans le Xenosaga 1 et 2 sur DS, on le voit. Il lui parle. Oh. Nous, on va le voir, mais plus tard, quoi. Et là, en fait, faut quitter l'endroit et revenir. Et ça déclenche le chapitre 2 où on a retrouvé du coup deux éléments du robot. Ah oui, c'est ça, c'est parce que t'en as déjà trouvé en fait. Ouais. Ah, dur en affaire. Alors là, c'est... Ouais, bon, c'est pas traduit non plus. Mais en gros, elle dit, vous aider, vous allez nous faire encore plus de travail. Nous faire. Ouais. Bon, en gros, il va nous dire de tout péter. Non, je t'ai dit, c'est très humour. Hein.
Eh ben, je suis d'accord avec lui. Quel est ton avis sur le café ? Avec bah, pour être honnête, autant je n'ai rien contre le café en soi, autant j'en bois jamais. Donc, d'accord. Alors moi non plus. Voilà. Mais maintenant oui, mais par contre je déteste le sucre dans le café. Bah, moi j'ai la mauvaise habitude de boire les trucs un peu trop sucrés ou quoi, et donc j'essaye de calmer le jeu. Ah non, moi, mais pour moi, si t'es vraiment amateur de quelque chose, c'est chouette que tu puisses avoir le vrai goût de la chose. Et donc si tu mets du sucre, il faut en mettre très peu pour quand même que ça goûte vraiment pour moi, les gens, la boisson. Pour les gens qui mettent du lait ou du sucre dans le café pour boire, il n'y a pas de problème, hein. C'est peut-être bon. Mais ils n'aiment pas le café. Oui, ils aiment un truc différent. Oui, c'est pas le café. De toute façon, il vaut mieux pas en mettre. Alors voilà, tu vois, les deux fameux bras hein, qu'on a récupérés. Hein. Si vous voulez savoir où on les a récupérés, vous pouvez regarder dans le fichier fragmentaire que je t'ai montré tout à l'heure. Mm-hmm. Donc on le voit, hein, ça ressemble vraiment à des jouets. Donc c'est marrant parce qu'ils comparaient les AGWS à ça. Tu vois, alors t'as aucun sens son écran là où il fait les trucs. T'as vu, ça fait vraiment... Ah ouais. Ah. Il prépare le Megazord. C'est exactement ça. Et l'attaque finale, c'est quand tu les as tous, ça fait une espèce de cinématique avec un super robot assemblé, machin. C'est vraiment des références très cool. Et du coup, on a un nouvel éther pour Fion, qui coûte très cher mais fait très mal à tous les ennemis. Et attends, tu l'as parce que tu as fait... que tu as donné les deux bras ? Ouais, en fait, tu vas en avoir plusieurs au fur et à mesure. À chaque fois, ça... Non, ça remplace pas, d'ailleurs. Ça... Alors, n'oubliez pas, hein, dans le jeu, faut les mettre. Ça coûte des points. Ouais, parce que je connais un joueur, une fois, il avait débloqué un truc, mais il avait pas mis. Et après, il a affronté un boss, et c'était un peu dommage, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. Ne faites pas comme lui, hein. Scrawny Blade... Attaque sur tout le monde de type slash, mais dégâts, c'est du délire. Ah oui, je vous ai même pas montré l'attaque. Enfin, montrer l'attaque. Il n'y a pas de combat, mais je veux dire... voilà, ça coûte 16, hein, c'est très très cher. Ça coûte déjà la moitié de mes MP. Et il est écrit aussi que tu peux le faire qu'une fois par combat. Ouais, mais heureusement, parce que de toute façon, ça coûte très cher, et en plus, ça fait tellement mal que le combat, il est fini. Sauf les ennemis qui ont beaucoup de PV, ça fait... Déjà, là, ça one-shot presque tout, sauf ils résistent au type de dégâts. Mmh. Donc on en a fini avec cet endroit, et maintenant on va aller au quartier principal, qui est ici, les secteurs 26 et 27. Donc déjà, c'est cool, parce que là, c'est la première fois qu'on a le pied sur la terre ferme dans le jeu, hein, et qu'on a une vraie ville, si tu remarques. Ah, ça fait plaisir. Depuis le début, on est baladé de vaisseau en vaisseau. Ouais. Alors on va rentrer là, il y aura un peu plein de magasins et tout, mais c'est pareil, tu vois, j'aurais bien mis une petite musique de ville, tu vois. Ouais, bah quand même, pour l'ambiance. Mais après, bon, tu te dis, bon, c'est réaliste au moins, tu vois, il n'y a pas de musique quand tu te balades dans les villes. Ouais, c'est réaliste, mais ça fait plaisir aussi, une petite ambiance. Ouais, bah non, je ne cache pas qu'il y a des défauts dans le jeu, et je comprends même que si quelqu'un n'aime pas le jeu, je le comprends tout à fait, bon. Je pense qu'il ne serait pas arrivé à cette vidéo-là pour l'entendre, mais... Ou alors il est très curieux. Ouais. Mais il y a de quoi, parce que je vous le dis, c'est loin d'être fini. C'est même loin d'être commencé. Ah, c'est pour ça qu'on est là, hein, moi je te le dis. On veut savoir. Ah ouais, t'inquiète pas, ça va être incroyable après. Alors, comment se fait-il que je sois si malchanceuse? Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma précieuse bague de fiançailles que mon fiancé m'a donnée. Je savais qu'elle avait parlé d'une bague. Encore une quête annexe. Et elle l'a fait tomber à la plage apparemment. Oh, elle a parlé... Oh pardon, je m'emballe tout seul. C'est parce qu'elle a parlé d'un poisson qui a mangé la bague, et ça me rappelle une histoire. En Belgique, il y a un endroit qui s'appelle Orval. On fait là-bas, entre autres, du fromage et de la bière. Il y a une histoire comme quoi il y avait quelqu'un d'important, il y a plusieurs siècles, qui avait perdu sa bague dans l'eau, et qu'un poisson est allé à la surface de l'eau et avait la bague dans sa bouche, lui a ramené la bague, tu vois. Ah, et donc, ça me fait penser à cette histoire-là. Ok, bah tu manques pas l'occasion de faire de la pub pour ton pays, toi.
Je m'attendais pas à ça. Bon, c'est juste que l'histoire est marrante. Ouais, ok. Bah, c'est sympa cette histoire. Ouais. Merci. Et c'est ce qui a donné son nom. Ah, bah, avec plaisir. Alors, faut savoir. C'est ce qui a donné son nom au lieu. Ok. Le jeu, on peut le continuer là en parlant à Alain. Non, en dormant, pardon. Mais on veut pas dormir. Bah non, on a plein de choses à faire. Là, on a un magasin. Il dit qu'il y a vraiment rien d'intéressant, mais bon. Il se dévalorise. Ouais. C'est marrant, ça, ils essaient de faire un peu des vendeurs différents. donc là, pareil, on peut acheter les mêmes armes en fait qu'on avait dans le Durandal. Et là, c'est pareil, il n'y a rien de nouveau non plus. Et rien de nouveau là non plus. Il n'y a pas d'AGWS et rien de nouveau là. Donc en fait, il avait rien. Donc en fait. Je vous le dis. Et en plus, il dit, je vous l'avais bien dit, il n'y a rien. C'est marrant, mais voilà. Enfin, si t'es pas allé au Durandal avant. Et surtout, point de sauvegarde. Donc c'est important. Effectivement. Et en plus, point de sauvegarde à côté de l'endroit où on se soigne. Yes. Et est-ce que tu te rappelles de ces trucs-là? Si je le casse comme ça. Ah non, pas du tout. Là, ma manette vibre. Enfin. Au tout début, dans le Woggling Day, donc le vaisseau dans le début du jeu, on nous explique, tu sais, qu'avant certains combats, on peut exploser des trucs, les ennemis se les prennent. Mm-hmm. Et ça nous donne des bonus, par exemple, ça nous donne des boosts ou des... où ça paralyse les ennemis, des trucs comme ça. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là, il n'y a pas d'ennemis. Je n'en dirai pas plus. Ben oui, parce que ça allait même... j'ai eu peur que ça blesse la femme, en fait. Ouais. Mais ça veut aussi dire quelque chose. Si tu as une logique. Qu'il y aura des ennemis plus tard. Exactement. Oh mon dieu, non. Ah non, pas... À la fondation. Et tu vois, là, ça va vraiment démarrer. Bah. T'es dans la vidéo creuse, mais la vidéo d'après, il va se passer énormément de choses. Là, on se retrouve donc dans un mécanicien, quoi, en gros, hein, qui répare des vieilles voitures. Mmh. On va détruire, comme ça, il n'y aura pas besoin de les réparer. Oh non! Et surtout, ici, il y aura une petite surprise. Hop. Là, il dit quoi, lui? Il dit un truc, je crois. Ah voilà, Monsieur King, toi qui avait un King, je t'avais dit. Ah, le voilà. En plus, il parle au chat. Et voilà, et là, ouh, surtout, le détruisez pas. Parce que sinon, ça va vous empêcher de faire quelque chose. Et en fait, c'est, si tu l'as peut-être pas compris, mais on avait parlé à la colonie un petit garçon qui parlait d'un... une espèce de monstre fantôme. Oui, oui, tout à fait. Et qui disait, si on lui parle gentiment... Et voilà, ouais. Il dit, c'est pas un ami de Tom, l'ami de Tom, mais aussi mon ami, comment va Tom? En fait, si t'as parlé à Tom, ça déclenche ça après. Ça déclenche, je vois, où je suis heureux que Tom aille bien, cela m'a vraiment ennuyé de pas pouvoir dire au revoir à Tom. En guise de votre amitié, je vais raconter quelque chose d'intéressant. Et là, on a plusieurs choix. Donc, si vous êtes trompé, c'est pas grave, vous pouvez lui reparler autant de fois que vous voulez. Mais il faut dire, je crois, une grande histoire. Ouais, c'est ça. Et là, il dit que... dans la salle d'observation du Durandal, il y a un décodeur fragmentaire sur le sol caché par un arbre en pot. En fait, bon, la salle d'observation, c'est le parc en fait. Ok. Pour célébrer un piège, je vais prendre une photo. Et voilà. Donc là, vous pouvez le détruire si vous voulez. Ça sert à rien. Ok. mais tu ne peux pas trouver. Cet objet sans lui avoir parlé. Sans avoir débloqué le dialogue d'abord. En fait, si tu parles pas, l'objet il apparaît pas. En fait, ça fait un petit truc qui brille au sol une fois que tu as parlé. C'est le parc qu'on a trouvé Momo. Ah, ben faudrait y retourner un jour pour. Ouais, pour on va retourner juste après. Et on a bientôt fini. Là, on arrive ensuite dans la blanchisserie. Et alors, je me rappelle qu'il y avait des trucs cachés. Alors, attends, je crois que c'est par là. Voilà. J'espère qu'il tenait pas ses meubles. C'est ça les portes dont je te parlais. T'as de derrière? Ah ouais. Et ça c'est les adresses fragmentaires. Et après il y a les décodeurs justement. Et donc il te manque la clé, c'est ça? Eh ouais, tu vois, ça me dit, je peux pas. Ok. Et la clé justement, bah, une des clés se trouve dans le parc. C'est de ça qu'il parlait, les décodeurs fragmentaires. Mm-hmm. Ensuite, il y a des petits objets cachés ici, c'est assez sympa, vous allez voir. Faut le savoir ça, hein, franchement. Première fois que j'ai fait le jeu, je savais pas du tout.
Ça, c'est pas des objets incroyables, mais en fait, ah, d'ailleurs, hop. Pour l'info, il y avait les costumes, les fameux costumes qui étaient alignés. Oui, c'est vrai, avec le violet. C'est là ? Attends. Non. Si, c'est en haut, c'est de ça que tu parlais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou là-haut ? Non, tu parlais en étendu, le deuxième. Oui. Ouais. Ouais, en haut là, ouais. Ça, on le voit pas très bien d'ailleurs. Sauf si peut-être. Ouais, comme ça, voilà. Ouais, voilà. Et justement, en parlant de costume. Alors, ça, c'est une référence, on dirait à Albator, non ? Ouais, il y a un petit côté, ouais. Ouais, ou un truc du genre. Pareil là. Le détecteur de poissons. Et là, vous dites, qu'est-ce qu'on va pour récupérer. Ben, moi, je sais, c'est pour retrouver le poisson qui ramène la vague. Exactement. On sort d'ici. Vous avez vu quand même, fallait le trouver celui-là. Ouais, franchement. Parce que en fait, tu te rends pas compte que tu peux interagir avec ces éléments-là. Exactement, ouais. Après, avec les PNJ, t'as des indices. Ils sont tous. Ils donnent tous envie d'aller chez eux. Hein. Entre l'autre qui a rien à vendre et. Ah, donc là, il y a d'autres magasins, mais on s'en fout, ce soir rien. Le petit Pac-Man. Ouais. On notera d'ailleurs que la blanchisserie, le bâtiment dont est sorti, c'est des bons clients de la boulangerie parce que sur la table il y avait plein de baguettes. Ouais, t'as vu, c'est bien fait, hein, l'univers, je veux dire, c'est pas l'univers. ils sont embêtés, quoi, à faire des petits trucs avec une logique. Des petits détails qui mettent un peu dans l'ambiance. Qui veut draguer la boulangère, etc. Ouais, c'est marrant. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de pains différents, tu vois, ils sont embêtés. Lui, il te parle de la statue. Ah, écoute, c'est déjà. Statue, une connaissance autoproclamée, donc là ça vaut rien, d'un camarade de classe qui a vécu à côté du cousin issu de Germain, du directeur Gegnoun qui a construit cette ville. Et après il dit, en fait c'est la statue de quelqu'un qui a rien à voir avec cette ville. Et l'arnaque. C'est marrant. Ouais, j'avoue. Donc il y a deux quartiers, le 26 et le 27, donc c'est le 26 et à gauche c'est le 27. On peut partir d'ici. Alors comme je vous l'ai dit, on aurait pu continuer le jeu direct en parlant en dormant. Ouais, mais quitte à être là. On va pas le faire. Petit email, c'est la photo qui l'a prise. Voilà. Ah, est-ce que tu penses à ce que je pense ? Je fais toujours des rapprochements, hein, j'espère que ça vous embête pas, mais ça me fait toujours, ça me ramène à d'autres souvenirs. Dans la version Deluxe, dans la version DX de Zelda Link's Awakening, il y a aussi des scènes à des endroits bien précis où on peut prendre des photos et après on peut les récupérer et voir notre personnage dans une certaine situation. Oui, effectivement. Ça me fait penser entre autres à ça. Alors là, c'est un peu marrant, regarde. Regarde bien la photo, en fait on voit... Il y a en haut à gauche. Il y a Alain, ouais. Ouais. Et il le dit, hein, c'est marqué. Et ça me fait penser aux photos dans Metal Gear Solid, premier du nom. T'avais un appareil photo, tu pouvais prendre des photos. Et si tu prends des photos de certains trucs bien bien précis dans le jeu, tu peux voir en fantôme les têtes de développeurs du jeu. Ah, pas mal. Et donc ça fait un peu comme la tête transparente comme ça de Alain. Ah, c'est marrant ça. Et donc on va aller à la plage. On est quasi à la fin, là. C'est pas grave si j'ai pas pris ma crème solaire ? Non, de toute façon, il y a un orage. Ah, ça va, alors. Non, je rigole. Non, il a enlevé, hein. Sinon, on n'y serait pas allé. L'orage, hein, c'est un point important, mais de toute façon, on va le voir dans la suite du jeu. Ah, voilà ! Alors, c'est pas un mini-jeu chiant où on doit appuyer au bon moment ou des trucs comme ça, vous en faites pas, parce que je déteste ça. Et par contre, ça peut te rappeler peut-être un autre jeu. Moi, ça me rappelle si, FF6, ouais. Oui, sur l'île. J'en dis pas plus, mais sur l'île, FF6, quand il faut récupérer des poissons. Y a pas un petit truc avec des traits comme ça ? Je sais plus.
Ouais. Ben, en tout cas, tu les vois tous bouger à droite à gauche et... Ouais, c'est ça. Et en fait, faut attraper le gros pour avoir la bague de chance. Et les autres donnent des objets pas top, genre des trucs de soins, quoi. Mais donc, ça veut dire que si t'avais pas le détecteur, tu pourrais pas les voir et donc pas les attraper. Eh ben, y a même pas la scène... ils demandent pas si tu veux attraper les poissons, en fait. Ok. Faut avoir l'objet pour déclencher ça. Le mini-jeu, on va appeler ça, non ? Mmh. On peut appeler ça comme ça, mais c'en est un en soi. Ouais, ouais, j'aurais pas appelé ça un mini-jeu, moi, mais. C'en est un. Parce que pour moi, un mini-jeu, c'est un truc où tu peux perdre, et c'est un truc bah où. Pas forcément. Un peu du. Bah, c'est une partie où il n'y a pas de victoire ou défaite. Est-ce que cette partie, tu vois, il n'y a pas de. Bah oui, bien sûr. Pour moi, tant que t'interagis avec, c'est un jeu. Oui, d'accord, mais pour moi, un mini-jeu et dans ouais. un jeu vidéo, c'est un truc où tu sais pas exactement comment ça va se passer. Bah, là, en fait, tu les poissons. Ouais, mais les poissons, je veux dire, si tu le fais à l'infini, tu les auras d'office. Ah, bah, dites-nous votre avis, mais moi, je pense que c'en est un. C'est ça. Je dis pas que c'est un. Ah, bah, pour hein. moi, je dis pas. Pas que c'est un bon mini-jeu, mais pour moi, c'en est un. Et pour moi, coup... c'est du même niveau que fouiller dans une maison pour récupérer un objet, tu vois. Ah, je sais pas, non, ça déclenche quand même un petit truc et où ça ouais, change un peu l'environnement. Ouais, ça c'est juste la façon dont c'est programmé, mais. Enfin bon, donnez-nous vos avis. Ouais, c'est ça. Le débat est ouvert. Et on obtient le décodeur 8, et ça c'est une très bonne nouvelle, puisque on avait la porte numéro 8. Et où était-elle ? Eh ben c'est marqué. Elle est dans l'Elsa. Mmh. Et ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas y aller. Parce que quand on essaie d'aller là-dedans. Il y a Mathieu qui nous dit « Eh, tu veux aller sur la colonie ?» Donc on peut pas le récupérer tout de suite. J'espère que ça en vaudra la peine. Mais c'est juste après, on pourra bientôt. On pourra bientôt, faut juste déclencher la suite du jeu. Et on a obtenu du coup le 3 et on n'avait pas la clé. Donc à chaque fois, ça vous dit la location de la location, pardon. L'endroit, la localisation, en français, de la porte et de la clé, si vous avez trouvé les deux. Et parfois, faut retourner dans un ancien donjon et aller presque au milieu du donjon pour récupérer le truc, donc c'est un peu chiant, quoi. Ouais. On va sortir d'ici et on va se diriger... on va dormir, déjà. Et ensuite, ça va être la fin. On va juste aller récupérer le décodeur qui se trouve dans le parc dont nous avait parlé le... Ah oui. Le ping bug, c'est comme ça qu'il s'appelle. Qui était aussi un des choix dans le quiz. Ouais, non mais c'est tous des choses qui veulent dire quelque chose, hein, je pense. Enfin, des vrais noms, quoi. On va dormir. Ouais. Ça fait toujours plaisir... Les RPG où t'as une nuit de soins gratuite. Grave. Mais des fois, ça te sonne pas. Oh, c'est triste. Ouais. Voilà, bah, c'est pour ça, tu vois, que je pensais que c'était la bonne vidéo pour ça, parce que hormis le début où effectivement il y a 2-3 scènes, c'est vraiment que des quêtes annexes, quoi. Ouais, c'est ça. On peut discuter. Si on peut appeler ça comme ça, ouais. On peut légèrement s'égarer, ça ne porte pas préjudice. C'est ça, mais on a quand même appris des choses importantes hein, qu'il faut retenir. Notamment bah, un peu que voilà, on a rencontré Gegnoun, on a rencontré. On l'a vu parler à Elmer, qui est un perso important plus tard. Mm-hmm. Qui est, comme je vous le disais, donc le représentant de la seconde Milicia. On a vu qu'ils ont tous les deux le chiffre là sur la main. Ouais, même si c'est pas le même. C'est ça. Il a un chiffre. Un plus gros chiffre, donc ça veut dire que ça arrive après, quoi. Moi, j'attends celui qui arrive avec le 999. Ah non, ça arrivera jamais, ça. Ça s'arrête avant. Mais on n'en verra pas 70, hein, des persos comme ça. Tu te doutes bien. Évidemment. Mais on va, en fait, là, pour vous dire, vous avez passé l'intro du jeu, si vous voulez. Et à partir de la prochaine vidéo, on va rentrer dans du sérieux. C'est pour ça que je te laisserai pleinement concentré dessus. Exactement. Même si c'est déjà fait.
Et on va aller là pour aller récupérer du coup le fameux décodeur. En interview, ça change un peu de d'habitude où t'enchaînes des donjons avec des cinématiques. Bah, j'ai l'impression que ce qui est chouette, c'est que à partir de maintenant, t'as un petit peu de liberté. Plus de liberté, ouais, dans tes déplacements. Hein, tu peux faire un peu des quêtes annexes, mais qui sont pas juste sur ta route. C'est toi-même qui va prendre la décision d'aller à un endroit ou un autre pour aller t'occuper de ça. Mais ça va avec l'histoire, parce qu'au début, on est un peu... On va dire, faut qu'on s'échappe vite, ensuite, on est en danger, quoi. Alors que là, bah, forcément, on est tranquille. Pour l'instant. Le calme avant la tempête. C'est un jeu, hein, s'il se passait rien tout le jeu. On se doute bien qu'il va se passer quelque chose très bientôt. Et donc, si t'as vu la petite cinématique au début, tu vois, il est avec un chat, il fait Gagnoun, Gagnoun. Et puis au final, il trouve... on le voit... comme un flashback, enfin un flash forward plutôt. Enfin ça avance quoi. Et il a un garçon avec les cheveux noirs dans les mains. Ouais. Bah c'est Gagnoun. Ah d'accord. D'où le rapprochement. En fait on comprend plus ou moins dans la cinématique, par rapport au dialogue qu'il y a eu après, que en fait Gagnoun c'est le nom du chat. Parce qu'il s'appelle pas comme ça hein, Gagnoun. Il s'appelle Nigredo, on l'a vu dans la... Oui, oui, oui. Cinématique tout à l'heure. Mais il s'est renommé avec le nom du chat, quoi. Et après, c'est Junior qui l'a renommé comme ça ? Non, c'est lui, il s'est renommé comme ça. Ah, ok. Et Junior, c'est pareil, hein, il s'appelle pas comme ça non plus. Et après, on voit qu'il parle de Albedo. Dans la même cinématique. Mm-hmm. Et bah, on va bientôt voir, très très bientôt même, qui c'est. C'est pas un nom qu'on a déjà entendu un moment. Bah j'ai un doute de si on l'avait déjà vu, donc je préfère pas le dire, mais ouais, c'est... Le nom, on a déjà dû le voir, ouais. Oui, juste le nom, juste le nom. On a vu le perso aussi, mais... Bon, je peux vous le dire, hein, de toute façon, c'est pas comme si on allait le découvrir dans 10 minutes, quoi. Bah, c'est le personnage avec les cheveux blancs. Le personnage qui était avec Margulis, c'est ouais, ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, le mystérieux, là. Ouais. Ok. Un de plus. Eh oui. Donc, ils sont liés, les trois. Mais on verra ça quand on verra les persos dans le passé, et on va les voir dans ce jeu-là, et encore plus en détail dans le deuxième. Puisque... Je parle souvent hein, des jeux d'après, mais c'est normal, c'est parce que... En soi, c'est un peu... C'est un peu le même jeu coupé en trois, quoi. Tu prends de l'avance. Ouais, mais c'est important quoi. Parce que des fois vous vous dites putain, mais c'est. Il y a tout le temps des trucs, mais on sait jamais rien. Bah, je vous le dis, bah, vous attendez pas à voir des trucs quand ils seront dans les jeux d'après quoi. Mais, ouais, moi je me le dis, mais prononce autrement, je me dis, mais fichtre, je ne comprends rien à ce jeu. Oui, moi, je l'ai dit un peu plus vulgairement, c'est vrai. Et donc là, si on va vers l'Elsa, ça continue le jeu. Et... Mais nous, on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà presque 2 heures, figure-toi. Eh ben, c'est déjà pas mal, non ? Eh oui. Et on va aller, du coup, dans notre chambre pour finir la vidéo, parce que... Y a pas de meilleur lieu pour c'est ça, il est temps de se reposer. C'est ça. Donc ben, voilà, donc, à retenir surtout, donc, l'astuce du casino, si vous voulez être riche et tricher un peu dans le jeu. Enfin, c'est pas vraiment de la triche, comme on l'a expliqué. Ça vous rend pas surpuissant. Et puis ça, au moins, c'est un vrai mini-jeu, donc... Ouais, ça vous rend pas surpuissant. Voilà, c'est un vrai mini-jeu. Après, il y a les autres aussi, c'est des vrais mini-jeux. Je sais que tu fais référence au poisson, mais il y a 3 autres mini-jeux que je montrerai. Je pense que je vais faire une vidéo à part où je montrerai les jeux. Bah, je pense que c'est bien de le faire à part, comme ça, ceux qui veulent vraiment plus d'histoire vont pouvoir se concentrer dessus. Et ceux qui veulent tout voir, c'est long. Et les prix ne sont pas indispensables du tout. À part le casino où on a récupéré cet accessoire là, hop, que je vous conseille d'ailleurs de mettre sur Junior, le Brave Tool. Pourquoi sur Junior ? Parce qu'en fait ça augmente bien, c'est bien marqué la force que ça augmente, et non pas l'éther. Donc ça veut dire que si vous faites une attaque de type éther, ça sert à rien du tout. Et vu qu'il a que des attaques de type physique, alors il en profite plus. Ouais, alors comment on sait si c'est physique ou pas ?
Parce que c'est pas un type de dégâts comme perçant, foudre ou des trucs comme ça. C'est plus un... Enfin, il y a deux types d'attaques. Et dans ces types d'attaques, après, il y a les éléments, quoi, on va dire. Mais ouais, c'est... il y a éther ou physique. Et en fait, on le voit quand on combat à la couleur de l'attaque. Si c'est Oh, rouge, c'est physique. d'accord. Si c'est bleu, c'est éther. Enfin, c'est quelle stat il utilise. Et donc, pour les stats, je fais un petit résumé, même si j'en reparle dans une vidéo plus tard, mais comme ça, toi aussi, tu ne seras pas perdu. Parce que c'est un peu... On peut se tromper. En fait, donc, strength, c'est dégâts physiques. Vite, c'est la vitalité, en fait, c'est pas la vitesse. C'est la défense, quoi, physique. E attaque, E défense, c'est l'attaque et la défense des terres. Dextérité, c'est les chances de toucher, en fait. Eva, bah, c'est l'inverse, c'est l'évasion. Et agilité, c'est la vitesse, en fait, à laquelle t'as ton Ton tour tour. revient? Voilà. Ouais, ok. Donc, c'est bizarre, hein, les noms, parce qu'on peut confondre, par exemple, évasion, agilité et dextérité. Mais voilà, c'est sur ça que sont basées les attaques, sur ces stats-là. Bah, je trouve que ça va encore, c'est assez clair. En fait, ce qui est difficile, parfois, c'est pas les termes en eux-mêmes, mais c'est le fait que dans d'autres jeux, les mêmes termes sont utilisés pour d'autres Ouais, effets et à tout la à fin, on fait. s'embrouille. C'est ça, ouais. Et puis surtout dans le jeu, tout est abrégé, c'est très... Ouais. C'est vraiment pas pratique. Par exemple, quand on analyse un ennemi, ça va être marqué Resista et ça va être marqué I, tu vois. Ça peut être Ouais, il marqué... faut que ce soit ice, enfin, faut que tu saches que ce soit ice, quoi. Voilà, faut réfléchir un peu des fois. Mais voilà, bon, de toute façon, pour le gameplay, ça va suivre dans la prochaine vidéo. Là, il n'y a pas eu de combat, mais c'est pas grave. On n'aura pas eu la musique de combat dans cette vidéo. Ah, c'est vrai, bah c'est pas plus mal pour une fois. Voilà. Hein. Et prochaine vidéo, bah, ça va commencer par des cinématiques. On va en fait aller à l'Elsa, cinématique, et ensuite des combats, quoi. Mais beaucoup de cinématiques. L'histoire va beaucoup bouger. Je regarderai ça Ça avec curiosité. va partir là. On a hâte, on a hâte. Et justement, il y aura Albedo. En tout cas, merci de m'avoir invité Eh bien, merci à toi d'être venu, surtout. Au début, je voulais pour faire une intro cette marrante, mais partie. après, j'ai eu la flemme de me lever. Je voulais faire genre que j'étais tout seul et taper sur ma table pour faire comme si on allait taper à ma porte. Et j'allais te chercher, tu vois. Ah, tu m'aurais dit, j'aurais validé. Et après, je me suis dit, oh, j'ai la flemme de me lever, en fait. Mais en tout cas, j'espère que Quoi? j'ai pu aider peut-être ceux qui se rappellent moins avec mes questions, avec mes petits commentaires à retrouver un peu certains détails. Moi, en tout cas, ça m'a aidé, donc c'est pas plus mal. J'espère que vous avez supporté ma voix un petit peu cassée. Ça va, J'en ça suis va. navré. Mais C'était pire avant, hein, je vous le dis, ouais, franchement, on a on reporté a parce attendu que exprès, hein. c'était terrible. Ouais. Mais en tout cas, non seulement j'ai mieux compris, mais je me suis bien amusé aussi. Donc, j'espère que vous aussi. Et puis, maintenant, je vous rends freeze. Si vous voulez le retrouver en duo, eh ben, ce sera sur ma chaîne avec Bravely Tout Default. à fait. Et avant de partir, parce que j'en ai pas parlé, et c'est dommage. J'en reparlerai plus tard dans les autres vidéos, mais il y a un nom qu'on a entendu dans une des cinématiques qu'il faudra absolument retenir, parce que c'est un peu, enfin, une entité très très importante pour le lore du jeu. Je sais pas si tu te rappelles quand il y a la conversation entre Gegnoun et Elmer, il parle de Udo, Udo. Oui, oui, Voilà. oui, On sait pas ce que c'est encore, mais retenez-le bien parce que c'est très très important. Voilà. Donc je vous laisse Teasing. sur ce teasing. Et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon dimanche puisque je vais poster la vidéo juste après. Alors à la prochaine et que la Triforce soit Soit avec avec vous. vous.